Coucou les petits capinous, bienvenue sur le grenier de l'étrange. Je rigole parce qu'en fait je viens d'enregistrer, mais le micro était à 3 km en fait. Donc voilà, j'avais pas le micro devant moi. Et j'étais en mode ouais, salut tout le monde et tout. On se retrouve pour Fatal Midnight, voilà. C'est pas Fatal Bazooka, mais presque. Et alors vous le voyez pas, mais sur l'écran titre déjà on est dans le ton parce que il y a Wake Up et Give Up. Alors se réveiller ou abandonner. Et ouais, déjà la petite musique oppressante qui est plutôt sympa. J'ai mis la facecam parce que apparemment, vous allez voir. Alors, mes parents sont partis en vacances et m'ont laissé pour que je prenne soin de ma sœur. Elle a quelques problèmes, parfois elle est très étrange, alors je dois m'occuper d'elle. Tout allait bien jusqu'à ce que j'entende des bruits étranges au milieu de la nuit. On se réveille du coup. Qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il y a? Oui, c'est des bruits un peu chelous. Ah, ces sons. Ma sœur se sent probablement mal. Encore une fois, je vais aller vérifier si tout va bien. Oui, et puis c'est pas que les sons en fait, c'est aussi le fait que ça résonne. Ça résonne comme si on était dans. Alors attendez, bougez pas. Hop. Ça résonne comme si on était dans une, je sais pas, une chapelle ou. Alors c'est très spécial parce qu'en fait, c'est un peu gerbant. What the fuck? C'est quoi ces peintures? C'est un peu gerbant parce qu'en fait, le champ de vision est très réduit et on voit vraiment les mouvements du perso. Et c'est un peu, on peut vite tourner. Par contre, un peu trop vite d'ailleurs. Attendez, bougez pas. Hop. Parce que je vais vraiment finir par vous donner mal au cœur. Ouais, je pense que c'est tout à fait exprès pour nous donner cette impression de d'être sans défense un peu, je pense. Attendez. C'est qui ça? Il me dit quelque chose. Bon. Est-ce que ma sœur est dans le placard? Oula, d'accord, ok. On s'est ouvert la porte dans la tronche. Non, elle n'est pas dans le placard apparemment. Alors non seulement il y a justement cette, vous savez, quand vous entendez des bruits étranges chez vous la nuit, que vous êtes tout seul ou avec une sœur un peu étrange, comme il dit, et que vous devez en prendre soin, il y a ce sentiment un peu oppressant. Mais là, encore plus pour nous, parce qu'on connaît pas la maison. Eh oui. Bonjour, petite sœur, est-ce que tu es là? Kaidi, Onichan? What? C'est étrange qu'elle ne soit pas là. Je dois la trouver et voir comment elle va. Attends, c'est quoi ça? Call? Ah non, j'avais lu Call 911. Ah, ok, Girl Power, ok, je viens de comprendre. Vu la chambre, j'imagine qu'elle doit avoir quoi? Dizaine d'années, peut-être 12 ans. C'est très rose. Il y a pas de poster de Justin Bieber, c'est déjà bien. En même temps, c'était il y a. J'ai peut-être un retard de 10-15 ans en même temps. Ok. Il pourrait y avoir BTS par contre. J'entends des bruits de pas. Oh, bordel, je m'attendais pas à ce que ça s'ouvre en fait. Bon, faudrait peut-être que je fasse attention aux autres portes en fait, parce que. J'ai comme l'impression que tout s'ouvre. J'espère que ce jeu va vous plaire. En tout cas, sachez que j'ai enregistré à peu près 4, 5, 6 jeux que j'ai pas publiés parce qu'ils étaient pas terribles. J'avais notamment enregistré Buried. Un petit jeu, je vais pas dire nul parce qu'il était gratos ou alors il coûtait. Il coûtait 2-3 euros sur Steam, donc bon. Attendez, ce portrait, pas la femme, mais l'homme, là, ça me dit quelque chose, ce portrait. Ok, d'accord, j'entendais des bruits, je croyais que c'était chez moi, mais non, c'est dans le jeu. Ce portrait me dit quelque chose. Dites-moi si. Je me demande s'il n'y avait pas ce portrait-là dans le jeu qu'on avait joué à Noël. Hein.
Noël dernier, hein, bien évidemment, où notre ex nous avait stalké apparemment et voulait absolument qu'on revienne avec elle. Très bon jeu d'ailleurs, je trouve que j'avais vraiment bien apprécié, je sais pas vous, mais. Alors là, pour le coup, on navigue un peu dans la maison à l'aveugle, il se passe pas grand-chose, mais c'est pas plus mal, hein, parce que. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Attends, est-ce qu'on peut courir? On peut courir. Excusez-moi. On peut courir, mais c'est vraiment une course de. C'est une course de fourmis. Anémiée, quoi. Et qui a de l'asthme aussi. Ok, j'ai cru en fait que depuis. J'ai cru que depuis le. Il y a des textures qui font un truc chelou là. J'ai cru que depuis, genre, le lavabo, on pouvait avoir une vue privilégiée sur les toilettes en fait, en face. J'allais dire, c'est très chelou. Parce qu'en fait, on dirait plus des. C'est fait exprès là ou c'est. Non, je pense que c'est un bug. On dirait plus des fenêtres que des miroirs. C'est un peu chelou comme truc. On peut vraiment tout ouvrir, mais après, je pense pas que ça serve à grand chose. En tout cas, graphiquement, le jeu est plutôt sympa. Bon, par contre, je vous cache pas que je me suis totalement paumé, hein. Je sais pas si vous entendez les bruits que j'entends. J'espère que oui, parce que sinon c'est. Faut que je m'inquiète un peu quand même. En fait, ce que j'essaye de revenir dans ma chambre. Oui. Attendez, c'est là? Non. Ça va être la chambre des parents. J'essayais de revenir dans ma chambre en fait pour voir. Pour essayer de m'orienter un peu. Il y a un post-it. Appelez John demain à 14h. Bon, ok. On dirait presque que ce jeu est. Vous savez, c'est un peu comme sur une vidéo, vous augmentez les contrastes à fond. Où. Il y a un petit délire comme ça avec les ombres. Mais ça rend super bien, je trouve. Alors, plus l'effet de flou. Alors, attendez, par contre, l'étage, il fait combien de mètres carrés là? Est-ce qu'il y a un escalier là? Un escalier là-bas, c'est quoi comme baraque? C'est. Dis donc, je veux bien habiter là. Hein. Ok, donc. Vu le lit d'ailleurs, nous aussi, on doit être un. Je vais pas dire un petit garçon, mais on doit pas être très très vieux. Hein. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Hein. Bon, bah écoutez, on va descendre, on n'a pas trop le choix. On sait même. Bon, apparemment. Notre sœur a décidé de se mettre au tuba. C'est un hobby comme un autre, hein. Il y en a, c'est le piano. C'est vrai que d'habitude, c'est plus le piano ou le violon. Là, c'est le tuba. Bon. Oui, je parle beaucoup. C'est aussi un peu pour essayer de me rassurer. Cet intérieur me dit quelque chose. Cet intérieur me dit totalement quelque chose. Et c'est pas forcément. Ok, il y a eu un petit ralentissement là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a chargé dans le jeu. Hop. Non, 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 non. Bonjour, petite sœur, calme-toi. Mange de la pizza s'il te plaît. Vas-y, ça va te calmer. Je pense que c'est parce qu'elle a faim en fait, c'est peut-être pour ça que. Ou alors elle a bu les bières de papa, je sais pas. Oh, je me sens pas bien. Et encore, comme vous le voyez, je tourne cette vidéo 2 jours. Je pense. Dans un sens, c'est pas plus mal. Est-ce qu'on peut tout simplement s'en aller? S'il vous plaît, on va chez les voisins. On leur dit, on fait comme dans The Midnight Scene, on leur dit bon, il y a un souci. Est-ce que vous pouvez nous héberger pour la nuit? Par contre, le fait que. Alors là, si vous y voyez que dalle. Une espèce de truc chelou là. C'est le lave-linge.
Si vous voyez, si vous y voyez que dalle, rassurez-vous, moi aussi. On va courir un peu pour voir. Attendez, on peut pas sortir par là. On peut aller par là, mais c'est... Non, mais attendez. Je me demande en fait si c'est pas la maison carrément de... Vous voyez ce que je veux dire, de ce jeu-là. C'est étrange, ces portes étaient ouvertes avant. C'est ce qui me semblait quand je suis descendu, elles étaient ouvertes. Ah, je sais pas si c'est juste une prank, mais bon, j'apprécie pas, hein. Just a prank, bro. Puis on est lent en plus, on est hyper lent. Si jamais il y a une... Ouais, c'est moi hein, qui fais ce bruit-là en courant. Si vous vous demandez... Et puis le champ de vision est tellement réduit qu'en fait... Peut y avoir quelque chose qui surgit de... Pardon, excusez-moi, j'ai donné un coup dans le micro. Peut y avoir quelque chose... Oh non. Qui surgit de n'importe où. On peut pas allumer des lumières, non? Je n'ai pas inspecté la maison, je dois vérifier d'abord. Oui, merci. J'ai pas spécialement envie de descendre à la cave. Hein. Même que si j'ai regardé partout dans la maison et que... Et qu'elle est pas là, bon... Quasiment persuadé. Non, arrête, 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 arrête. Oh bordel, j'ai des frissons. Ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas fait ça, bordel. Pardon, excusez-moi. J'ai pas dit bordel, j'ai dit nom d'une pipe. Ok, elle est pas là. Elle est pas au plafond, non. On sait jamais. Oh non, le coup du riz. Non, 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 non. J'aurais pas dû jouer à ce jeu. Ce jeu est gratuit, hein, d'ailleurs, si vous voulez souffrir avec moi. Me faites pas le coup du rideau, s'il vous plaît. Il y a un truc encore pire que les bruits chelous dans les jeux vidéo, enfin dans les jeux vidéo d'horreur particulièrement, c'est ça. Ces espèces de sons qui ont rien à faire là, mais qui sont hyper oppressants en fait. Je sais pas pourquoi, moi, les musiques d'horreur comme ça m'a toujours mis très 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 mal. La porte s'est ouverte toute seule, j'ai rien demandé. Ah non, c'est peut-être moi en fait. Non, non, la porte s'est ouverte toute seule, hein, j'ai pas rêvé. Vous savez ça, pendant toute ma pause là. Bah, j'étais content en fait de voir notamment The Librarian jouer à des jeux comme ça. Parce que je le voyais souffrir et moi je me disais, c'est bon, tranquille. Je suis bien, moi je suis tranquille, je suis en train de siroter mon chocolat chaud. C'est lui qui souffre à ma place. Elle est probablement allée à la cave. Je dois la suivre. Non, 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 non. Non, gros, non, non, non. Non, frérot, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sautes aux conclusions comme ça? Si vous voulez récompenser ma, je sais pas, mon effort, ma peur. Mettez un pouce bleu, hein. C'est le moins que vous puissiez faire, sérieusement. Je vois rien du tout. La lumière est éteinte. Je vais devoir trouver une lampe torche. C'est au premier étage, près de l'ordinateur. Ah, quelque chose me dit que ça va pas se passer comme ça. Et là, c'est ouvert d'ailleurs. C'était pas ouvert tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi il y a... Alors. Peut-être que c'est notre sœur qui a préparé le repas pour nous deux. Ce serait très gentil. Il y a une canette de Monster Energy là, je crois, mais il y a deux bières aussi. Alors peut-être qu'on est en âge de boire de l'alcool dans le jeu, je sais pas. Et il y a aussi de l'eau de Javel. Enfin non, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est du lait? Peut-être du lait, ouais. Ça fait deux fois que je vois cette photo. Apparemment, on a été en vacances, soit en Inde, soit en Afrique. Ok. On a fait un petit tour en éléphant. Pourquoi pas? Bon. On va se dire qu'il ne va rien se passer, hein. On est d'accord. Attendez, on peut pas appeler les parents, non? Oh bordel, je crois que j'ai bien fait de mettre la facecam. Oh, cette vidéo-là, je sais que j'ai dit que j'allais attendre d'avoir plusieurs vidéos sous le coude avant de vous les montrer.
Mais je vais vraiment avoir hâte de. J'ai vraiment avoir hâte de vous la montrer, celle-là, je pense. Et de me marrer en faisant le montage aussi, hein, parce que en faisant le montage, je me dis. quel tocard. En voyant ma tronche. Près de l'ordinateur. Alors, l'ordinateur, c'était là où il y avait le post-it. Ça doit être. Puis on est tellement lent, quoi. Ça aide pas, en fait. C'est encore pire. On est allé là? Oui. Ah, on est passé par là. C'est ça en fait. Tout à l'heure, je me suis complètement paumé en passant par là. Ce genre de jeu en VR. Mais laissez tomber quoi. Ça doit être horrible. Enfin, déjà, un jeu qui doit être bien horrible en VR, c'est Resident Evil 7. Je crois que je le ferai jamais. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est l'endroit où il y a la lampe torche. Bon. Est-ce qu'on va trouver d'autres choses comme dans The Midnight Scene? Ok. Alors en fait, là, c'est marrant parce qu'on peut vraiment contrôler la lampe torche avec la souris. Vous voyez, c'est pas lié à la vue. C'est très sympa. C'est le genre de petit détail dans un jeu d'horreur qui peut faire toute la différence. Hein? Voyez ces sons-là dont je vous parle là. C'est pas des sons qui sont censés venir vraiment du jeu, c'est plus une espèce de musique d'ambiance, mais c'est horrible. C'est horrible, vraiment. Heureusement que pour une fois dans un jeu d'ailleurs, la lampe torche a l'air pas trop mal. Hein. Non, oubliez ça, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout, la lampe torche est pourrie. Non, 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 non. Non, 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 non. Salut, au revoir. Vas-y, reste à la cave, je m'en balèque. Mais c'est quoi qui a fait ce bruit là aussi? Je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Elle est à droite, on est d'accord. On est d'accord qu'elle est à droite. Non, non, je vais pas assumer. Je suis monté sur la rambarde même d'ailleurs, j'ai l'impression. On est d'accord qu'elle est à droite. Mais est-ce que c'est la fin du jeu ou... Elle est là? Elle est là? Bonjour? Non, s'il te plaît, arrête! Non! Oh, je vais me retourner le vêtement là. Non, 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 je vais me retourner le vêtement là. Non, non, on remonte vite. Oh putain, on peut pas sprinter sans que la lumière s'éteigne. Je remonte. Putain. Ok, d'accord, merci. Je m'y attendais à moitié en plus, mais. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Il y a clairement quelque chose qui va pas avec elle. Oui, appelle un exorcisme, gros. Appelle un exorciste, pardon. Appelle les Warren, je sais pas, fais quelque chose, mais là. On a fait quand même un sacré bond, hein, parce qu'on était là, là quand elle nous a jumpscare sans pitié. Attendez, Et bien sûr, maintenant, tout est plongé dans le noir. Même la maison, même l'étage, même tout, même le rez-de-chaussée. Autant ce jeu incorpore des clichés quand même, hein, genre la cave sombre et tout, la lumière qui éclaire pas plus de 2 mètres, autant il le fait bien. Autant on est vraiment dans l'ambiance, on s'est tapé un jumpscare là, on s'en est pas tapé 36 000 juste avant. Et c'est ça justement qui fait la force d'un jeu d'horreur, je trouve. Parce que les jeux d'horreur où il y a que ça, que ça, que ça, que des jumpscares, à la fin c'est presque comique en fait. Alors que là, justement, c'est bien, je trouve, dans un jeu d'horreur, en fait, quand l'horreur se fait désirer. Vous voyez, c'est qu'on laisse un peu tout à l'imagination. D'ailleurs, je trouvais que Until Dawn faisait ça super bien. Ah, Until Dawn, un des meilleurs jeux de la chaîne, hein, bien évidemment, avec vous savez quel jeu aussi, Doki Doki, hein, dont je n'ai pas joué étonnamment à la toute dernière version. Alors, d'abord D'abord ma sœur m'assomme et ensuite toutes les lumières s'éteignent. Génial. Hein. Ça va être elle au bout du fil ou un truc comme ça, je sais pas. Je suis là. Attendez, on contrôle rien.
on a décroché, ça sonne. Hey son. Hey fils. I know what happened to Will. Je sais ce qui lui est arrivé. Go to your room, under the va dans ta chambre, reste sous le lit. That will help you. Non, va dans ta chambre et sous le lit, il y a quelque chose qui va t'aider. Quoi, un crucifix? De l'eau bénite? Vite, vite, vite! Oh putain, on peut pas courir sans. Je dois aller dans ma chambre, il y a quelque chose sous le lit qui va m'aider. Je sais pas où c'est ma chambre, elle est à gauche, elle est à droite, mais je connais pas cette maison, merde, bordel de merde. J'ai pas habité ici, moi. Non. Mon lit, il est où mon lit? Oh bordel. Est-ce que c'est là? Dites-moi que c'est là. Attendez, bougez pas. En plus, il y a ma montre qui sonne là. Oui, j'ai compris. Ok, merci. Hop, attendez, bougez pas. Hop, voilà. Ça aide pas. C'est pas mon lit, bordel de merde. J'espère que c'est pas qu'il n'y a pas un timer ou quoi que ce soit. Je crois que c'est par là. Bien sûr, plus on va se rapprocher du lit, on va passer par là. C'est pas grave, on s'en fout. Oh putain. C'est par là. Je crois que c'est. Putain. Il y a vraiment quelque chose qui va pas avec elle. Oui, je suis d'accord, papa. Oui. Donne-moi le crucifix vite, le pieu aussi, tout. Deuxième jumpscare. Ah non, là c'est sa chambre. Mais attendez, ma chambre elle était là-bas. Mais je peux pas rentrer dans ma chambre du coup. Heureusement que je joue pas ce jeu en pleine nuit. J'irai pas me coucher. Je serais pas allé me coucher sinon. Je vous le dis direct, carrément. Il y a un truc derrière la fenêtre, non? J'avais dit hein, qu'on allait plus jouer à un jeu genre sans jumpscare. Juste. Juste avec une petite ambiance horrifique sympa, en fait, non, ça a très, très vite mal tourné, en fait. Attendez, c'est sous son lit ou sous mon lit? Parce que là, sous mon lit, je peux clairement pas y accéder, là, on est d'accord. À moins que ma sœur ait un brother complexe et genre qu'elle ait fait une porte cachée entre sa chambre et la mienne. Non, ça me rappelle un animé, c'est ça. C'est pour ça que je rigole. Ah ok, c'est par là, j'imagine, non? Mais non, mais... Elle va encore me... Non? Elle va encore me jumpscarer, c'est ça? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, là. J'entends des bruits, je sais même pas si c'est chez moi ou si c'est dans le jeu. Je m'en fous, je retire pas les écouteurs. Je sais pas où faut aller. Et le papa, il a bien dit sous mon lit. D'accord. Parce que... Là, j'ai un doute, là. Pour vous parler franchement, j'ai vraiment un doute. Mais qu'est-ce qu'elle a, en fait, notre sœur? Elle a quoi comme maladie? Non, mais parce que l'histoire ne nous l'a pas dit, mais... C'est quoi ce bordel? Moi, j'ai une sœur comme ça, je fugue. Mais je me casse à travers les États-Unis. Je sais pas où on vit, d'ailleurs, là, mais... Aux États-Unis, je pense, mais là, je pars à l'autre bout de la map, hein, comme on dit. Il y a un truc là derrière, c'est ça, non? Alors ça, c'est nous qui avions fait ça, j'imagine. Bon, là, j'ai l'impression que je suis en train de rallonger le jeu plus que de. Ok, ce serait pas une bonne idée, ça, non? Je pense que ce serait une bonne idée, non? De se barrer par la fenêtre. S'il y a un moment où il faut se barrer par la fenêtre, c'est maintenant, gros. C'est maintenant. Bon. Écoutez, je vais essayer de réinsister pour ouvrir la porte de ma chambre. Ça se trouve, en fait, ma chambre, elle est... J'ai rien vu. En plus, c'est vrai, j'ai rien vu. J'ai vu quelque chose qui marchait au plafond. J'imagine que c'est elle. Voilà. Ah oui, oui. Et puis maintenant, elle va avoir la tête qui tourne. Elle va descendre les escaliers sur le dos, c'est ça? Je regarde même pas ce qui se passe ailleurs. Je vais juste regarder sous mon lit. Ok, c'est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est sûr que ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Ça peut en créer beaucoup d'autres aussi. Attendez, est-ce qu'il est chargé? Mais j'adore le père qui dit attends, mon fils. Si ta soeur t'embête, j'ai planqué un truc sous le lit. Mais par contre là, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, faut vraiment se défendre. Autant dans les jeux où t'as pas d'armes, bah tu t'en fous, tu subis, tu prends sur toi. Mais là, faut vraiment
Je peux l'entendre marcher au rez-de-chaussée, je dois la trouver. Non, tu dois pas la trouver, frérot. Tu t'en vas, tu poses ce flingue, tu le gardes avec toi. C'est au rez-de-chaussée, ça? T'es sûr? Ce jeu, j'ai envie de... Par pur sadisme, en fait, j'ai vraiment envie, quand j'aurai fini, de regarder quels youtubeurs y ont joué, et de les regarder souffrir à ma place. Oui, j'essaye de garder le micro près de moi, excusez-moi, mais je me recule aussi. Parce que j'imagine qu'elle va pas venir de... elle est là, bonjour. Non, tire, non, je sais pas. Est-ce qu'on peut tirer comme on veut? Elle est où? Non, tu... Viens par là. Je sais pas... Petite sœur? Ah! Non. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon, on l'a pas eu. Mais en fait, elle court de manière totalement random ou... Parce que j'ai pas envie qu'elle... Attendez, il y a une porte derrière moi. Ok, d'accord, il y a... Ah, oh, ok. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que... On peut pas, ok, d'accord. Bon, je vais y aller, hein. C'est pour le YouTube game, hein. Bon, ok, j'imagine que quand on va aller par là, elle va plus venir par là. C'est trop facile, hein. Sinon, c'est ça, non? Vous remarquez que, réflexe de joueur de Call of Duty, je reste le dos contre le mur. Elle marche ou pas? Je vais tellement, en fait... Je vous jure, j'ai vraiment... Vive ma meilleure vie à regarder des mecs jouer à ce jeu et à souffrir, en fait. Ok, d'accord. Donc, en fait, j'ai tiré, mais dans le vent, quoi. Elle est à la cave? Non, ok. Tant mieux. Enfin bon, en même temps, je sais pas, c'est pas forcément mieux que la cave, là. Et vu qu'il fait... Il fait bien nuit, quoi. Mais en fait, attendez, est-ce que j'aurais pu éviter le jumpscare? Je pense pas, hein. Petite sœur. Viens, petite sœur, il y a un album dédicacé de BTS. Enfin bon, moi je parle, mais bon... Je suis pas mieux avec mes girls group, hein. C'est moi ou la lampe torche, en fait, est de plus en plus pourrie au fur et à mesure qu'on avance? Elle est revenue là, ou... Elle est derrière moi, non? Parce que je sais pas, je crois qu'en plus j'ai des écouteurs qui déconnent, et en fait, quand j'entends un truc à droite, bah c'est à gauche, et inversement. Vous voyez? Non. Je suis désolé, mais ça tire à blanc, non? On est d'accord. On est d'accord, il s'est foutu de nous, papa, non? C'était juste histoire de rigoler, hein. Tiens, mon fils, regarde. C'est un fusil à pompe. Et comme ça, il voit si vraiment on essaye de tuer notre sœur, quoi. Bon. Bon, on va y aller en mode commando, hein. C'est parti, hop. FBI, open up. Elle est là. Génial. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est totalement fortuit. J'adore comment on... Genre on est vraiment en mode sans pression, hein. On recharge le fusil, tout. Attendez, il y a une lueur rouge dehors. Est-ce que ce serait la... Ce serait le... Le soleil, hein. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Et on est parti pour flipper avec le grenier. Ok. Hop, ça c'est un peu notre safe room. Eh mais ça à côté. Elle est passée, on est d'accord. Viens petite. Ok, bonjour. Quoi? Quoi? Cela dit, peu après cet incident fatal, cette nuit fatale, la police arrive sur la scène et arrête Daniel. Alors qu'il s'est avéré qu'il avait un problème mental et il prenait des médicaments. Tout ceci est lié à ce tragique incident. En réalité,
Sa sœur essayait de s'échapper de son frère en se cachant pour sauver sa vie. La sœur n'était pas possédée par des démons. C'était dans la tête de Daniel. Le plot twist. Pas mal. Alors, les voisins qui ont entendu le cri et les bruits d'armes à feu ont appelé la police en espérant aider la jeune fille infortunée, mais il n'y avait aucun moyen de la sauver. La jeune fille son frère lui a tiré dessus avec un fusil à pompe. Daniel a été mis dans un hôpital psychiatrique et là il a réalisé ce qui est arrivé. Écoutez, tiens d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous voyez à droite, Miside démo, une petite démo plutôt sympa. Je laisse le jeu progresser un peu et puis on verra à ce moment-là. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, on va se remettre sur le jeu tant qu'à faire. Franchement, un petit jeu vraiment flippant qui sait doser, et pourtant c'est assez court. Hein, j'ai enregistré pendant à peine 30 minutes. Qui sait doser les jumpscares et l'ambiance presque à la perfection, je trouve. Écoutez, sur ce, je vais faire des recherches sur ce portrait là, le portrait du gars qu'on voit au premier étage. Je suis persuadé de l'avoir déjà vu dans un autre jeu. C'est peut-être moi qui ai un problème mental, ça se trouve. Mais je suis persuadé qu'on l'a vu dans le jeu de Noël, hein. Christmas. Je sais plus, un Noël horrifique ou non, je sais plus. Je sais plus du tout le nom de ce jeu. Bref, les petits copinous, on se retrouve très bientôt pour un jeu, j'espère un peu plus relax. Hein, parce que même s'il fait jour là, voilà, je ne vais pas aller faire ma sieste. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se dit à bientôt. Salut tout le monde.